Merci à tous. Jean-Marc. Salut les Trouvilles. Ça va? Salut, ça va? Ils ont baissé le budget des invités hein, ce soir. Ouais, c'est la dernière roue du carrosse, hein, Jean-Marc. Quoi? C'est bon. Pourquoi tu dis ça? On sait pas, on dit des trucs comme ça. Bah, Marshall, quand même, c'est pas... Ouais, moi j'adore. En plus, en fait, tu l'adores. Ouais, moi aussi, j'adore ce qu'il fait. Ouais, mais surtout moi. Oui, moi j'adore ce qu'il fait. Franchement, dès qu'il fait un truc, le mec, j'adore ce qu'il fait. Franchement, t'as beau faire n'importe quoi, j'adore ce que tu fous, mon pote. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Bah, il est... tu sais, c'est un ancien flic qui s'est reconverti. Dans la drogue. Oui, c'est ça, voilà. J'adore ce qu'il fait. Non, franchement, en fait, tu vas droit direct, hein. Tu vas droit dans le mur, comme François Hollande. Jean-Marc. Ah. Bon, donc, on peut y aller? Oui, on peut y aller. Bien. Il fait quoi? Parce que j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait, en fait. Il fait du cinéma. Il fait des pop-corn? Non, Jean-Marc. Il est réalisateur. De pop-corn? Non, il réalise des films policiers, tu vois. Il nous montre l'envers du décor de la police pour pouvoir montrer comment ça marche les policiers. Et du coup, bah, il a, ouais, les pistolets et... Mais la sirène et les pompiers, et du coup, à chaque fois, il est content. On n'a rien compris, il est content. Bon, on va faire plus simple. Donc, soit pour vous dire que ce soir, on a écrit un petit scénario de policier, voilà. Un petit scénario, et je pense qu'avec celui-là, vous allez faire un carton. Autant c'est vrai qu'il tourne ça, ça te plairait que ton scénario, il le tourne, c'est ah ça? Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr qu'il fera un carton, de toute façon. Enfin, il est en train de te dire qu'avant, tu faisais de la merde, hein. Jean-Marc. Enfin... C'est pas de ça, j'ai dit qu'il allait faire un carton. Oui, mais ce qui continue, c'est toi qui vas faire tes cartons, à mon avis, hein. Bon, on y va? On y va. Bien. Donc, c'est l'histoire d'une fille. Elle a quel âge, à peu près? On s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que si elle est jeune, elle a pas de poils. Bon, Jean-Marc. Quoi? Bon, donc c'est l'histoire d'une fille. On sait pas quel âge elle a, du coup, hein. Donc elle est chez elle. Toute nue? Non. En nuisette? Non plus. En porte-jartel? Jean-Marc, elle est chez elle, j'en sais rien, en pyjama, enfin c'est logique. Non, ce qui aurait été logique, c'est que ta mère prenne la pilule. Jean-Marc. Quoi? C'est vrai? Ouais. Il va doucement, hein. Ah, c'est vrai, c'est logique, hein. Donc, elle est chez elle, il est tard, hein. Quelle heure, à peu près? Mais je sais pas, il est tard, c'est la nuit. D'accord, donc c'est une fille, elle est toute seule chez elle. On sait pas quel âge elle a. Elle est toute nue en pyjama, on sait pas, c'est logique. Et du coup, elle est toute seule, il est tard dans la nuit. Voilà. J'ai rien compris. Bref, attention. Quand tout à coup... Oui, ben vas-y, on t'écoute. Non, mais j'essaie de mettre du suspense. D'accord, bien. Quand soudain... Voilà du boudin. Mais non, je... Vas-y, faut faire un truc de policier en créole, ça c'est rigolo, ça s'est jamais fait. Alors c'est Marie-Thérèse, elle est comme ça dans les couloirs de l'hôpital, elle bouffe des accras, elle boit du rhum, elle a la banane, ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'il boit Doudou, dis donc, Jean-Marc? On arrête là. Parce que si il s'énerve, il va te mettre une balle. Une balle masquée, oh, 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 oh. C'est bon? Oui! Ah, tu dépasses les bornes. Donc tout dit, là! Non, je... On s'en fout, c'est à la compagnie créole, bon. Je suis vraiment désolé, c'était pas du tout prévu comme ça. Pas du tout, c'était prévu, on va t'applaudir quand même, ouais. Parce que oui, le scénario est bien quand même. C'est bien essayé. Ouais. C'est bien essayé. Donc, du coup, voilà, tout le monde se fout de ma gueule, même Patrick. Oui, mais faut voir ce qu'il chante aussi, hein, il te fout de ta gueule. Hein. Tu vas pas recommencer à me chambrer, moi, c'est bon ça. Ah si, j'aime bien te chambrer. Ce qu'il y a de bien quand on te chambre, c'est que les gens qui t'aiment pas, ils se marrent, et les gens qui t'aiment bien, ils se marrent. Voilà, voilà, c'est bien. Oui. T'es content de toi? Oui. Bon, t'es content des invités de ce soir? Ah oui, on est content. Vincent Niclot, Chantariano, oui, oui. Voilà. Oui, en plus, on a vu qu'il avait fait la première partie de Céline Dion. Dion, voilà, donc c'est cool, ouais. Hein. T'as niqué René aussi, T'as vu dans les trouvettes? Quoi? Avec des glaçons et une paille, arrête. Voilà, c'est bon. C'est peut-être bon, t'en sais rien, hein. Et puis Charlie Dino quand même. Oui, on adore, il fait du couscous sur scène, on a entendu tout à l'heure, c'est ça là? Du couscous, non? Non, des pâtes, il fait. Ah, alors c'est marrant parce que quand ils étaient sur scène, c'est un peu comme vous, il y avait elle qui avait la voix de Cressel et puis l'autre qui avait la voix. Oui, d'ailleurs, c'est toujours moi qui ai une voix de merde en attendant. Toi non plus, t'as pas le choix. Eh, tu peux changer si tu veux. Attends, parle-moi avec la voix de l'autre.
Ouais, bah, c'est super, c'est cool. Oui, moi, je peux pas faire toute la soirée comme ça, à un moment donné, c'est pas possible. Tu vois, encore un petit peu pour moi. Ah non, c'est à quoi raconter. Oui, moi, en plus, j'ai l'air d'un con. Ouais, c'est sûr, t'as l'air d'un con. Bon, allez, on va... Oh, bravo, bravo. Allez, on va regarder... Merci. On va regarder le numéro que t'étais censé présenter. Et qui est un numéro qui avait, qui était formidable la dernière fois, qui était un numéro de bascule. Ah oui, il y a plein de trucs à dire avec bascule. Ouais, je te laisse. Oh. Ben, c'est ça. Cherche une rime avec bascule pendant qu'on envoie le numéro. Ben, pas tout en bas. Voilà, merci beaucoup. Une rime avec bascule. Oui, d'accord. Rime avec bascule. C'est pas facile, hein. Alors, attends, il y a libellule.